Si toi t'en as ta claque et que t'attends le déclic. Si tu veux prendre tes claques, mais tu trouves pas tes clics. Tu sens que l'humain craque comme piégé dans une crique, cherchant vain son itac, cette putain d'île mythique. Mais les 40 du CAC accumulent les low kicks, comme le sang dans les flaques provoqué par des flics, dont les coups de matraque font trop monter la trique. Et t'es là, tu te braques au pied d'un mur en briques, conscient que l'Afrique craque comme l'Irak pour du fric. Si t'as perdu la niaque pour trouver la panique, dans ce monde de maniaques si froid et mécanique, recouvert de tarmac en cours de choc thermique, écarte-toi du Prozac comme moi deviens prosique. Ouais, le climat se détraque, du coup nos vies s'étriquent. Mais reste pas patraque et passe à la pratique. Faut passer à l'attaque armée de notre éthique et casser la baraque, tourner le monde en bourrique. Assez l'heure qu'on nous plaque, faut donner la réplique, mettre en lumière l'opaque au prix d'une lutte épique. Quasi tout mettre à sac et revoir les classiques. Il faut des gens qui ont conscience bien plus érudite qualité, qui en sachant ce que dit la science choisissent la radicalité. On a bousillé nos semences, y a plus un radis de qualité, mais on entretient la démence, on vend du beurre dit de carité. Et on nous vend une vaine croissance, une vaine parodie d'équité, du nucléaire à pleine puissance qui nous irradie de chaque côté. On fait la guerre pour de l'essence, est-ce que ce paradigme a coûté? Toute cette croissance n'a aucun sens, ce faux paradigme a quitté. Il faut entrer en résistance au nom d'un sol trop azoté, au nom d'animaux en souffrance qui ne peuvent pourtant pas voter. Choisir la désobéissance, tout un système à saboter, avec l'aisance et l'insolence de ce démon de chaboté. C'est l'heure du branle-bas de combat contre une politique en carton, parce qu'il est trop moche le constat qu'on va dresser à nos fistons. Celui d'une terre en sale état et recouverte de béton, on a fait péter le thermostat pour être en tête de peloton. On va se faire battre par le climat, pourtant on lui tend le bâton. On a détruit les habitats des éléphants jusqu'au plancton. On est à deux doigts du trépas à cause d'un système trop glouton. Et l'État commet l'attentat de prendre le pas tel un mouton. Jamais repu face au repas, ça veut pas mettre fin au gueuleton. Faut du profit, du résultat, cet appétit, ça fout les jetons. De l'énergie pour la fiesta, et puis tant pis pour les rejetons. Il faut qu'on s'attaque à l'État, et faut pas y aller à tâtons. Pas se contenter des petits pas, de l'apathie et de l'inaction, pendant que le traité du CETA attise la surconsommation. N'attends pas qu'on la fasse pour toi, cette nécessaire révolution. On a besoin de toi pour faire ta, pour renforcer notre bastion. Il faut faire tomber l'omerta, il n'y a pas d'autre solution pour endiguer la vendetta provoquée par nos pollutions. Des miracles ont en vendetta pour entretenir l'addiction. La vérité, c'est qu'en l'état, on n'arrêtera pas l'extinction. Faut prendre un autre chemin tant qu'il est encore temps. Repenser le bien commun, retrouver la clé des champs. Mais c'est pas pour demain, faut changer sur le champ. Quand l'enjeu c'est l'humain, c'est un poil important. Faut pas être abattu, mais devenir un battant. Car tout n'est pas foutu, quand bien même tout fout le camp. Mais faut qu'on s'évertue à lutter chaque instant pour un élan de vertu acquis en résistant. Car tant qu'on ne fait rien contre ce profit qui prime, contre les politiciens et les banques qui oppriment, petite bande de vauriens dont le nombre est infime, qui nous veulent galériens et se disent magnanimes, ouais, tant qu'on ne fait rien contre les acteurs du crime, c'est alors qu'on devient tant complice que de victime. Mais nous, on se soutient, on refuse la déprime, car on recrée du lien quand ensemble on s'exprime. Tous ensemble on les tient, ces convictions intimes, que la terre va pas bien, que le système la périme, que le devoir des terriens, c'est de se mettre au régime. On n'a pas leurs moyens, la violence légitime, pas les grands quotidiens et lobbies richissimes, mais la rage qu'on a aux reins, c'est le pouvoir ultime.